RTL Matin, les inattendus de Cyprien Signy. 7h59, Cyprien. Vous saviez que c'était un grand jour pour François Hollande hier, Yves ? Expliquez-nous. Eh ben oui, car s'il y a un an, il faisait encore visiter l'Élysée pour les Journées du Patrimoine, bah hier, dans son agenda, il avait un autre rendez-vous tout aussi important, oui, au stand Melon du marché du Sud-Ouest à Paris, et il a pris sa nouvelle mission très à cœur, écoutez. Et en fait, il a commencé tôt cette année. Nous avons commencé début juin. Début juin, oui. Voilà. Que je puisse promouvoir le produit, donc voilà. Quelles sont mes obligations ? Début juin, fin septembre. Tout à fait. Alors, non, François Hollande n'est pas devenu vendeur de melons sur les marchés, mais hier, au cours d'une cérémonie on ne peut plus officielle, il a été intronisé, tenez-vous bien, membre de la grande confrérie du melon de Lectoure. Et quitte à faire une cérémonie officielle, bah, il avait envie que ça se passe avec les honneurs. Mais j'ai vu que ce soit quand même avec, non pas le protocole, mais les autorités officielles. Parce que... Voilà. Présidente Marie-Hélène, voilà. Il faut quand même amener un melon quand même. Où est-ce qu'il y a du melon là ? Là derrière. Mais oui, trouvez-moi un melon pour la photo, bon sang. Et donc, une fois le melon trouvé, le bandana orange posé autour du cou. Tu es désormais membre de la confrérie du melon de Lectoure. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Oui. Je le consommerai sans limite. La banda, c'était même de sortie. Et oui, même après l'Elysée, on garde le melon de Lectoure, bien sûr. Et on est peu de choses quand même. Cyprien Sidi, RTL, il est 8h.